Salutations à chacun et chacune de vous. Bienvenue à votre petite capsule pleine conscience. Aujourd'hui, une pensée de Jacques Salomé qui dit « L'herbe est toujours plus verte chez l'autre jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. » Quel grand message profond pour qui prend le temps de réfléchir, bien sûr. On regarde souvent, on dit, l'herbe est toujours plus verte chez le terrain du voisin, parce qu'on pense, tout ce qu'on voit, c'est l'extérieur de sa vie. On ne voit pas profondément qu'est-ce qui se passe nécessairement dans sa vie. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas tout à fait là que je vais vous amener aujourd'hui. Quand on regarde l'herbe verte que l'on croit chez le voisin, on a un sentiment que chez nous, l'herbe est sec, est pas aussi belle, qu'on n'a pas autant. Et ça nous amène dans un sentiment d'insatisfaction, peut-être de tristesse, peut-être d'essoufflement. Et à partir de ces émotions, ces sentiments, ces vibrations, nous attirons de l'herbe jaune. En regardant ce qui se passe de l'autre côté de la clôture, avec un sentiment d'envie, non pas de nécessairement de jalousie, mais en se disant peut-être, pourquoi pas moi? On n'attire rien de bon avec ça. Donc, commencez à regarder dans votre propre cour. Qu'y a-t-il de beau sur votre propre terrain? Soyez reconnaissant. Remplissez-vous de gratitude. C'est comme ça que vous allez attirer encore plus et que l'herbe sur votre terrain deviendra tellement extraordinaire que vous ne verrez même plus la nécessité de regarder chez l'autre. Au revoir. Bonne réflexion.